أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامبرنا راو نجونا راو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فريتي أبري أزيراتنا كويز تايم نا بلاتو بور بيغاتي ياتي أني أماي رمزان نا ديواسونو أبري بورو وبيوغ لوان كوشيش كري ساتمي مام لي سلام نيك حديث qu'Ézéchiel, c'est qu'il est dans la perte celui qui perd, qui gaspille une heure de sa vie. Et que les coachs m'ont dit qu'ils ont 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 dit qu'ils to inshallah dua se ke atsela tsela diwa so ba kiria se i diwa so ma pro puru puri menot kore ke apre ek minute pon sarkirit na apre po sarkari sege ane sans plus tarder apre nouvelle candidate ne accueillir kore ayman salamu alaykum alaykum salam tane tu via dina kore ade apre plateau masse pen tu aimes visage que c'est après besoin ils ont ça tu dirais que juste il bouge ça qui est bête que après on s'embrise ça qui d'accord quel stress notre inshallah tu me dirais que ta présentation que les ça qui est ma nom Ayman on 15 ans et tout m'adresse à ma classe 10 fille et tout on est école ma troisième et tout école ma advers c'est ta brevet c'est d'accord. Tu as quelle matière vous allez gommer enfin tu as quelle la guette qui est brevet ma cute tu as vous allez tenir à ça ni type certa c'est par exemple. Histogéo. Histogéo. Ah ça tombe bien parce que quiz time m'a gagné fait les cultures générales une question oui. Tu dois c'est que tu as et où qu'un que ça va le moller inchallah. D'accord. Et sinon tu as quelqu'un qui passe temps quelqu'un tu sais ouais. Mon pixel art corrugé. Ah, mashallah, d'accord. Donc, à ce qui paraît, avec dem nous déstressons, ouais, mes abois. Oui, effectivement. Moi, ici, qu'est-ce que Dieu as? Mashallah. Toi, qu'est-ce aussi qui toi as y a un quiz thème ma amour? J'ai regardé les quiz thèmes précédents. Et les quiz thèmes de l'an dernier aussi. D'accord. Ok, c'est bien. Ça aide. À mieux emmagasiner les informations mais la guide c'est un plateau ma prédota oui sous forme de jeu donc je pense que ça rentre plus vite on apprend mieux que par rapport à juste écrire à juste lire ou écrire ou écouter quelqu'un je pense d'accord donc tu es prête pour la première question oui d'accord donc je te rappelle que tu as 12 questions et tu as droit à 2 jokers le 50-50 et le coup de fil à un ami. Ok. D'accord ? Tu as des questions ? Non. Non. Bon, bah, c'est moi qui te poserai les questions. Tout de suite, niveau 1, première question. Dans quelle direction fait-on le namaz ? A, vers la Kaaba. B, vers Jérusalem. C, vers Masjid Nabawi. C, vers Karbala. Après quel dishama namaz portawit? A. Kaaba Nisame, B. Jérusalem, le Masjid al-Muqaddas, C. Masjid al-Nabawi, D. Karbala. Je penche vers la question A. Voilà. Vers la Kaaba. Vers la Kaaba. Tu es sûr de ta réponse? Oui. Il me semble qu'à un moment, après Jérusalem, Samé namaz portata. Non. Non, tu es sûr? D'accord, bon ben ordinateur, veuillez valider la première réponse, réponse A s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la Kaaba. Année, en tout premier, durant les tout premiers moments de l'islam, c'était vers Masjid al-Muqaddas qui est à Jérusalem. Voici, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé le changement de Qibla vers la Kaaba qui est à la Mecque. Donc, félicitations. Première question validée. On passe tout de suite à la deuxième question. Qui n'est pas parmi les Ahlul Kissa? Donc, A, Bibi Fiza, alayhi salam. B, Bibi Zainab, alayhi salam.
C, Bibi Sakina alayhi salam, ou D, les trois réponses sont justes. Et qu'il est que na Bibi Fiza ahlul kisamate, na Bibi Zainab ahlul kisamate, na Bibi Sakina. T'inquiète, c'est un petit peu ahlul kisa et kliso. Oui. Oui, c'est tu peux me dire. C'est les pinces panzetten qui étaient sous un tissu. D'accord. Je pense. D'accord. Et qui étaient de chiffa. D'accord. Donc après Hadis et qui s'avance là où est allé et nous histoire apprenez molé. Tout en équipe lag. Tu dois avoir une idée de la réponse. C'est la réponse D. Tu es sûr? C'est ton dernier mot? Oui. Tu es sûr que Bibi Zainab me l'a dit? Non. Il y a un gars mahatani. Non, ce n'était pas dans les ahlulis. Non. D'accord. Bon, bah, si tu es sûr de ta réponse, on va valider la réponse D, c'est ça? Oui. Réponse D, ordinateur, s'il vous plaît. Et effectivement, na Bibi Fiza, na Bibi Zainab, na Bibi Sakina, toi, elle n'était pas encore née à cette époque. Mais effectivement, Bibi Fizan et Bibi Zainab, tu peux me dire un petit peu qu'on a tout? Alors, il y avait les pinces panzetten, c'est-à-dire, je pense, Imam Ali, Bibi Fatima Zahra, Rasoul Ekouda, Imam Hassan et Imam Hussein. D'accord, très bien, effectivement, c'est ça. Très très bien, c'est une très belle histoire que j'adore raconter à mes élèves. Tout de suite, on passe à la troisième question. Tu es prête? Oui. Très bien. Quel est le bon orthographe? Donc, ces questions, histo-géonatie, français, nous, ces questions. Tu es prête? Donc, A, punition. Avec deux N et deux S. B, punition avec deux N et un C. C, punition avec deux S. Ou D, punition avec un seul N et un T. Donc, lequel de ces mots est écrit correctement? Donc, je pense la réponse D. T'es sûr? Et que les punition, le cas, oui, une punition, on ça, oui. C'est ça? Oui, je pense. Tu es sûr de ton intuition? Oui. D'accord. Bon, bah, c'est. Donc, on va valider la réponse D, s'il vous plaît. Et effectivement, punition, le cas, oui, une punition, on ça, oui. Les secrets de la langue française, on va dire. Très bien, bravo. Donc, il te reste une question pour finir ce niveau. Tu es prête? Oui. C'est parti pour la quatrième question. Parmi les noms des femmes citées ci-dessous, lequel est aussi un nom d'une sourate de Coran? Donc, A, Bibi Fatima alayha salam, B, Bibi Amina alayha salam, C, Bibi Maryam alayha salam, D, Bibi Khadija alayha salam. Donc, abode namo matin ek nam kuran sherif no ek suran ou nam pente. Est-ce que, par exemple, kuran sherif ma ek suri fatema tse? Ou est-ce que kuran sherif ma ek bibi amin, suri amina tse? Ou est-ce que kuran sherif ma suri mariam tse? Ou est-ce que kuran sherif ma ek suri khadija tse? Qu'est-ce que tu en dis? Je pense c'est bibi mariam. C'est Mariam. Tu as déjà entendu parler d'un Souré Mariam? Oui. Oui, mais par contre, pas entendu parler de Souré Fatima ou Amin? Non. Non, pas du tout. Bon, eh bien, on va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, la réponse C, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la Sourate Mariam qui raconte la naissance de Nabi Isa alayhi salam, que Bibi Mariam alayhi salam, elle était tellement chaste, tellement pure, que même en n'étant pas mariée, Dieu l'a donné un cadeau qui était un fils du nom de Nabi Isa. Un né qui parlait dès sa naissance, de son berceau, il a parlé au peuple pour leur dire que je suis envoyé de Dieu, je suis un prophète et on m'a octroyé un livre.
Donc, très belle histoire aussi qui est racontée très joliment dans la Sourate Al-Maryam. Bravo! Félicitations, Ayman. Tu as fini le premier palier. Il te reste deux autres paliers et encore tes deux jokers. Ça va, tu veux souffler un petit peu? C'est bon. Tu veux arrêter? Non. Non, tu es sûre de ne pas... Moi, à ta place, j'arrêterai. C'est bon, là, j'ai gagné. Non, non. On est venu pour jouer, du coup. On est venu pour jouer. D'accord. Bon, bah, c'est parti pour le niveau 2. Première question. Que signifie An'am, le nom de la sixième sourate du Coran? A. Les oiseaux. B. Les humains. C. Les bestiaux. Ou D, les poissons. Donc, Quran Sharif ma tsatu number no suro sure an amtse et nous heurte eklesu. Et nous heurte tse les oiseaux, B, les humains, C, les bestiaux ou D, les poissons. Je pense les bestiaux. Tu penses que c'est les bestiaux? Parce que tu as lu, des fois tu lis le Quran avec la traduction? Oh oui, des fois. Oui, des fois, donc tu as dû lire. Ah oui. D'accord. Et tu n'as pas vu les oiseaux ou les humains ou les poissons comme nom de sourate? Non. Pas trop. D'accord. Je te rappelle que tu as tes jokers si tu souhaites les utiliser ou bien si tu souhaites garder ta réponse. Les bestiaux, tu peux tout à fait. Je souhaite garder la réponse C, les bestiaux. Tu souhaites garder la réponse C, les bestiaux. On va vérifier ça tout de suite. Et effectivement, c'était les bestiaux. Sourate An'am signifie les bestiaux, effectivement. Très bien, félicitations. Bravo d'avoir suivi ton instinct. Tu as encore tes jokers que tu vas utiliser à quel moment? Peut-être vers le troisième niveau. Peut-être vers le troisième niveau. Eh bien, on croise les doigts, entre guillemets, si que tu passeras jusqu'au troisième niveau, Inch'Allah. C'est parti pour la deuxième question. Quand a eu lieu la première révélation? Donc, la première révélation du premier verset du Coran. A. 17 Rajab. B. 28 Rajab. C. 27 Rajab. Ou des 13 Rajab. Donc, toutes ces dates sont au mois de Rajab, c'est unanime. Maintenant, est-ce que c'est le 17, le 28, le 27 ou le 13? Donc, en Goudrati, je répète, Peli Ayet Kiare Kedivse Nazil Teiti. Kuran Sharif ni Peli Ayet. A. 7 Rajabna, B. Itavis Rajabna, C. Sitavis Rajabna, KD Ter Rajabna. Tu sais un petit peu le premier verset, c'est quoi? Non, je ne me rappelle plus. D'accord. Mais par contre, la réponse, j'ai un doute sur la réponse C et la réponse A. D'accord. Qu'est-ce qui te fait, donc soit le 17, soit le 27. Qu'est-ce qui te fait penser à ça? Je ne sais pas trop. 17 Rajab, je pense qu'il y a un événement, mais je ne me rappelle plus lequel. Je pense que c'est le 27 Rajab. C'est le 27 Rajab? C'est ton dernier mot? Oui. Oui, le 13 Rajab aussi, il y avait un événement. Oui, mais ça, c'est le village d'Imam Ali. D'accord. Ça peut pas être ça. Bon, là-dessus, tu as l'air d'être sûr de toi. Oui. Bon, eh ben, on va vérifier ça tout de suite. Quand est-ce qu'il y a eu la première révélation du Coran? Le premier verset du Coran? Est-ce que c'était le 17, le 28, le 27 ou le 13? Ayman me dit ici que c'est le 27. Ordinateur, c'est ton dernier mot, le 27. Oui. Ordinateur, veuillez retenir la réponse C, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était le 27 Rajab. Année, la première révélation, c'était Iqra. Très bien, c'est exactement ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, c'était le jour où il y a eu la première révélation et où le prophète a été officiellement nommé prophète, enfin il est prophète depuis sa naissance, depuis même avant la création de l'univers, mais qui a été officiellement aux yeux de tous à 40 ans qu'il a été
proclamé prophète et c'était la date du 27 Rajab. Très bien. Bon, tu as bien fait de suivre ton instinct. Donc le Tel Rajab, tu m'as dit, c'est le viladet de Imam Ali alayhi salam. Et le 28 Rajab, c'est la date qui marque le départ de Imam Hussein alayhi salam de Medina. Et le 17 Rajab, peut-être que quand il sait, je ne sais plus trop. Bon, troisième question. Ah, toi qui aimes la géographie. Lequel de ces drapeaux représente celui de la Corée du Sud? Donc, ah, tu vois les quatre drapeaux sur ton écran. Les téléspectateurs aussi doivent voir les drapeaux affichés sur leur écran. Donc, nous avons quatre drapeaux et lequel de ces drapeaux est celui de la Corée du Sud? Est-ce que c'est un drapeau rouge et blanc avec une feuille au milieu? Est-ce que c'est un drapeau avec un cercle au milieu? Ou est-ce que c'est un drapeau noir, rouge et jaune? Ou est-ce que c'est un drapeau bleu, blanc, rouge? J'en ai aucune idée. Tu en as aucune idée? Est-ce que tu souhaites procéder par élimination? Peut-être que ça pourrait t'aider. Déjà, laquelle tu éliminerais d'office? La France. Oui, le drapeau rouge. Français, tu éliminerais. Qui est la réponse? D. Oui. Oui, c'est ça. Le D, c'est le drapeau français. Donc, ça ne peut pas être celui de la Corée du Sud également. Quel autre drapeau tu reconnais, par exemple? Le A, mais je ne me rappelle plus trop si le drapeau toi. D'accord. Écoute, tu as encore tes jokers. Si tu souhaites les utiliser, c'est peut-être le moment. Après, pour le coup de fil à un ami, je ne sais pas trop comment elle expliquera les drapeaux, mais tu peux quand même l'utiliser si tu souhaites. À toi de choisir. Donc, tu as le 50-50, le coup de fil à un ami, ou bien procéder par élimination. Donc, tu as dit le A, ça te dit quelque chose, mais tu ne sais pas trop c'est lequel. Le C aussi, j'ai l'impression de le connaître. Tu as l'impression de le connaître. Le B, c'est le seul que je ne connais pas. C'est le seul. Et est-ce que tu penses que parmi le A, B, C, tu peux trouver le drapeau de la Corée du Sud? Je pense que ça pourrait être le B, puisque c'est le seul que je ne connais pas. D'accord, parce que la Corée du Sud, ça ne te dit vraiment rien. Si, un peu, mais non. D'accord. Écoute, c'est à toi de voir. À toi de voir. Est-ce que tu veux prendre le risque? Et ça peut tomber juste, hein. Et garder tes deux jokers. Ou bien tu te dis, non, vaut mieux pas prendre de risque. Vaut mieux y aller en sécurité. Et utiliser un de tes jokers. Je souhaiterais utiliser un joker. Tu souhaites utiliser un joker? 50-50. À toi de voir, hein. Le 50-50. Donc, ordinateur, on me demande le 50-50 ici. Est-ce que vous pouvez éliminer deux mauvaises réponses? J'espère que ça t'aidera. Donc, l'ordinateur nous a éliminé le C et le D. Il te reste le drapeau rouge, blanc, avec une feuille au milieu. Et le drapeau avec un cercle au milieu et des traits sur les côtés. Tu m'as dit que tu as regardé les quiz time précédents. Oui. Donc, je pense que si tu as regardé, ça devrait te donner un indice. Je pense que c'est le B. C'est le B? Tu es sûre de ta réponse? Oui. Ok, bon. Si c'est ton dernier mot, on va retenir la réponse B, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Le A, ça te dit quelque chose? Si tu es passé au quiz time de cette année d'ailleurs. C'est celui du Canada. Ah oui. Oui, et le C, c'était celui de l'Allemagne, si je ne me trompe pas. Donc c'est pour ça que ça te disait quelque chose, parce que c'est les drapeaux d'Europe. Donc voilà, nous avons le drapeau de la Corée du Sud. Et, Mashallah, je pense que tu as terminé. Ou il te reste encore une question? Je ne sais plus. Il te reste encore une question. Il te reste encore une question pour passer le niveau 2. Tu es prête? Oui. Tu souhaites souffler un peu? Non, c'est bon.
on y va alors. Quatrième question. Après le martyre de notre onzième imam, qui était le frère de ce dernier qui s'était autoproclamé imam? Donc, après le martyre de notre onzième imam, qui était le frère de ce dernier qui s'était autoproclamé imam? A. Abdullah Naki. B. Abdullah Al-Kazzab. C. Ja'far bin Abdullah. Ou D. Ja'far Al-Kazzab. Donc, d'aller imam après également imam ni shahadete et n'a pas si après également imam ni kbay hata kedze kidouke hou imam tso. Alors que nous savons que le vrai imam c'était qui? Après l'onzième. Oui, le douzième imam qui avait 5 ans, qui devait avoir aux alentours de 5 ans, qui était l'imam ane tsoku kaididata également imam pen enbay. Aïba anekida ke hu imam tso. To inbay nunam souhutu. A. Abdallah Naki. B. Abdallah Al-Kazzab. C. Ja'far ibn Abdullah. Ou D. Ja'far Al-Kazzab. Je pense que c'est la réponse D. Ja'far Al-Kazzab. Ja'far Al-Kazzab. D'accord. Donc nous avons un Abdallah Al-Kazzab aussi et un Ja'far ibn Abdullah. Et donc, tu me dis que c'est la réponse D, Ja'far al-Kazzab. Oui. Oui. Tu es sûre de ta réponse? Un peu sûre, oui. D'accord. Bon, alors on va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse D, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse, c'était Ja'far al-Kazzab. Félicitations. Aïmoun, dis-moi, stressé, tu sais que ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Je te sens encore un peu stressée. Là, ça va, hein, tu peux souffler. On peut même... On peut faire une pause. C'est oui. Comme tu veux. Non, c'est bon. D'accord. On lancera une page pub non, à la bon. Télé. Non. Ok, très bien. Donc, niveau 3, c'est parti. Première question. Quelle bataille de l'islam n'est pas mentionnée dans le Coran? A. Badr. B. Nahrwan. C. Khandak. Ou D. Hunayn. Donc, islam nikay egzang hati kedze Kuran sharif ma nati lakelu. A. Badr ni zange Badr. Ke B. Zange Nahrwan. Ke C. Zange Khandak. Ke D. Zange Hunayn. Tu t'en sors en tariq au madrasa? Ah oui. Oui, oui, oui. Je pense que c'est la réponse B, Nahrwan. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est la réponse B, par exemple? Parce que le A, je connais, on l'a appris. Le C, on l'a appris. Le D, on l'a appris, mais je ne me rappelle plus trop. Et d'accord. Nahrwan, et tu penses que les trois que A, C et D, c'est mentionné dans le Coran? Oui, je pense. D'accord. Bon, écoute, si c'est ton dernier mot, on va valider. C'est ton dernier mot? Oui. Ok, très bien. B. Nahrwan. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Et pour quelle raison ça ne peut pas être mentionné dans le Coran? Tout simplement parce que c'était une bataille qui a été menée par Imam Ali. Après la mort du prophète, donc alors que le Coran a été complété avant la mort du prophète. Donc tout simplement par élimination, on peut dire que Nahrwan, ce n'est pas possible. Ok, très bien. Bravo Ayman. On passe à la question suivante. Choisissez le chiffre correspondant à Belak Trisadar Pansonez-vous. A 2000. 230 590, ou B 233 509, ou C 203 059, ou D 023 590. Je pense que c'est la question A, 230 590. D'accord.
Bon, écoute, moi, il me faudrait, je ne sais pas, 5 secondes, 5 minutes pour décortiquer chaque chiffre. Mais toi, mashallah. J'ai décortiqué pendant que vous lisez la Ah, question. tu as décortiqué entre-temps. Ok, d'accord. Donc, choisissez le chiffre correspondant à Belactrisadar Pansonevou. Ok, donc tu me dis que c'est la réponse A. Tu es sûr, tu as bien décortiqué, t'as rien raté. Ok. Écoute, je te fais confiance parce que là, je m'attends à ce que tu ailles jusqu'au bout, hein. Donc, je te fais confiance et on demande directement à l'ordinateur de vérifier ça. Et effectivement, c'était bien 230 590. Bravo, Ayman. Super, tu es arrivé jusqu'ici. Et comme tu disais, c'est pour jouer. Donc, mashallah, tu es arrivé tout en jouant, tout en s'amusant. Et je te rappelle qu'il te reste encore deux jokers. Un seul, un joker. Heureusement, tu suis. Hein. Il te reste encore un joker qui est le coup de fil à un ami. Et deux questions. C'est parti pour l'avant-dernière question. Quel imam a enseigné le Ziyarete Jamia Kabira? A. 6e imam Ali Salam. B. 8e imam Ali Salam. C. 10e imam Ali Salam. D. 12e imam Ali Salam. Quel imam a appelé Ziyarete Jamia Kabira Sikairatse? Tsetai imam, Achma imam, Desma imam, Kibar imam. Je pense la question c'est 10e imam, Ali Salam. C'est 10e imam. Tu es sûr de ta réponse? Pas trop sûr, mais Pas trop sûr. Tu as encore ton joker si tu souhaites l'utiliser. Ou bien si tu es sûr de ta réponse, tu peux le garder pour la dernière question. je pense à dixième imam. C'est le 10e imam? D'accord. Bon, écoute, moi je ne sais pas du tout. La réponse, j'ai un doute, mais je ne pourrais pas dire avec certitude lequel de ces imams nous l'a enseigné. Donc tu veux valider la réponse C? À toi de voir, hein. Écoute, moi, à ce niveau-là, je sais pas du tout. À toi de voir, si tu veux valider, on valide. Et puis de toute façon, tu es là pour jouer. Qui ne tente rien à rien, on va dire. Et Gani fait mais oui, et n'a pas si nous savons ça, c'est loué. Normalement, la dernière question est toujours dure. Ah, oui, c'est vrai. Toi, tu es une experte en quiz time. Je crois que tu as regardé plus d'épisodes de quiz time que moi. Oui. Donc, je pense que t'as dû bien analyser que dernière question, 12e question, ça doit être compliqué. Bon, écoute, si tu souhaites garder ton joker, c'est ton choix. Et donc, on valide la réponse C. La réponse C, ordinateur, s'il vous plaît. J'espère. Ah! Ouf! Malheureusement, hein? Ok, c'est parti pour la quatrième question. Et dernière question. On va souffler. Quel pays a remporté la première Coupe du monde de football en 1930? Tu es A, le Brésil, B, l'Argentine, C, la France ou D, l'Uruguay. Tenez à me Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Amko fait les popa ni bai ni zota, Oh, oui. pas du tout, toutes des fois, mais j'y comprends rien donc. Tu comprends rien. Alors en 1930, on n'était même pas nés. Nos J'avoue. parents n'étaient pas nés encore. Qu'est-ce que. Ouais, t'avais raison, hein. La question, elle vaut vraiment la fin d'un quiz time, là. Elle vaut vraiment. J'ai un doute sur Argentine et Uruguay. Tu penses que ça doit être l'un des pays de l'Amérique du Sud, entre l'Argentine, pas le Brésil, Non, ni non. la France. Ok. Non. Quel pays a remporté la première Coupe du monde de football en 1930? Non, en fait, je pense soit Brésil, soit Uruguay. Soit Brésil, soit Uruguay. Ouais. Là, c'est plus l'Argentine. Non. Bon. Écoute,
Moi, je ne pourrais pas du tout t'aider. Je sais que la France a gagné des Coupes du Monde. Je pense que la dernière Coupe du Monde a été gagnée par l'Argentine, si je ne me trompe pas. Oui, on me l'a dit de Oui. Argentine, je pense. Mais ce qui s'est passé en 1930. Je penche plus sur Uruguay, mais je sais pas trop. D'accord. Je pense que j'ai utilisé le Joker. Tu vas utiliser ton joker. Eh ben, j'espère que ton joker s'y connaît en foot, hein. C'est qui ton joker? Alors, comme Joker, j'avais Azmatanti et Mama. Mais Azmatanti, je pense pas qu'elle pourra puisqu'elle est plus chic. Oui, Donc, je effectivement. prends Mama. Donc, Moma, Si que Mama et date? Papa sont ensemble, du coup, il prend. Ok, très bien. Donc, je vais demander à l'équipe technique d'appeler la maman de Eamon. Et avec un peu de chance, peut-être que papa pourra aider à côté, vu que lui, il aime bien le foot. Allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Kounbolé, s'il vous plaît. Zora, c'est Aïmani Mama. D'accord. Donc, Zora, il y a un petit appelé Kouistam na plateau, Marsame et question m'a bloqué, Donc, vous avez une question 20 sous, mais que d'est, mais nous devons t'amener Kabarwito. Ah, quel pays a remporté la première Coupe du Monde de football en 1930? A, le Brésil, B, l'Argentine, C, la France ou D, l'Uruguay? Vous voulez que je répète la Pardon? question? Oui, s'il vous plaît. Quel pays a remporté la première Coupe du Monde de football en 1930? A, le Brésil, B, l'Argentine, C, la France ou D, l'Uruguay? Alors, je ne suis pas sûre, mais je pencherai plus sur l'Uruguay, mais je ne suis pas sûre du tout. D'accord. Ok, très bien. Ayman, tu veux ajouter quelque chose? Merci pour l'aide. Merci pour l'aide. Merci beaucoup, Angie. Coup d'affice. D'accord, bonne chance. Merci. Alors, elle se penche sur ton intuition. J'espère que papa lui a soufflé à côté. On ne sait pas. Donc, Tanikem, si tu suis l'intuition de maman Je qui suis dit prête. Uruguay ou bien Ouais, Uruguay. Uruguay? Ok, c'est ton dernier mot? Ordinateur, veuillez valider la réponse D, s'il vous plaît. Dernière question, dernier palier. On va voir aujourd'hui quel sera le résultat. Moma hésite tentative, oui, hésite tentative, mais tu as validé l'Uruguay. On va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était l'Uruguay qui avait gagné la Coupe du Monde en 1930. Félicitations. C'était une question pas facile, hein, on est d'accord. Mais heureusement, tu avais prévu les jokers. Félicitations encore une fois. Comment tu te sens? Soulagée. Soulagée? Et savoir, c'est Peut-être une école que... Oui, effectivement. C'est vrai que c'est pas facile de venir sur le plateau et de se montrer devant des milliers de spectateurs. Mais félicitations, tu l'as fait, tu es venu. Donc déjà, c'était un grand exploit de venir ici et encore plus grand exploit de réussir. Année, félicitations, tu es la première fille à valider tous les niveaux, toutes les questions de Quiz Time. Donc, donne-moi tes impressions, j'aimerais t'écouter. Alors, je suis contente d'être ici. J'ai réussi les trois niveaux. Et j'inciterai les autres à participer. Parce que c'est un truc amusant à faire. Et même si on perd au premier niveau, ben c'est pas bien grave, puisqu'on est venu juste pour jouer. Et puis, si on ne connaît pas la question, ben si on se trompe, ben on retiendra à vie. Oui, c'est vrai. Plus on se trompe, mieux on retient. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Et est-ce que tu aimerais remercier quelqu'un qui t'a encouragé peut-être? Merci aux auntie qui nous ont appris beaucoup de choses, aux profs de l'école qui nous ont
appris un peu la géographie. Et merci à maman et papa d'avoir aidé pour la question aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi, Imane. Et j'espère te revoir l'année prochaine, Inch'Allah, avec d'autres nouvelles questions et d'autres challenges, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ayant appris le programme Quistem nous sommes aptes en achat ce qui est calé pour après Astemé et un plateau ma bégataso. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.